Et salut à tous et à toutes, c'est Sam. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo news. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de des jeux Xbox Live Gold qui seront offerts donc durant le mois de juin 2018. Donc, vous pouvez le voir déjà à l'écran. La liste des jeux qui vont remplacer les jeux du mois de mai, deux jeux Xbox 360, deux jeux Xbox One comme d'habitude. Vous pouvez donc retrouver, vous allez donc pouvoir retrouver si vous êtes encore sur votre Xbox 360, deux jeux plutôt fort sympathiques qui avaient reçu des notes ma foi correctes lors de leur sortie, puis qui proposent quand même une aventure sympathique. Ça fait déjà deux fois que je dis sympathique en l'espace de quelques phrases. Donc du coup, vous allez avoir droit à des jeux qui peuvent se jouer à plusieurs sur Xbox 360. Donc avec Lego Indiana Jones 2, voilà, qui accessoirement est rétrocompatible avec la Xbox One, il me semble. Et Sonic All-Star Racing, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du Mario Kart like pur et dur. À titre personnel, je l'ai plutôt apprécié. Alors forcément, hein, Mario Kart prend toujours beaucoup plus de place, mais ça reste un jeu plaisant, voilà, un jeu plaisant à jouer avec un petit roster qui est pas mal de cartes différentes, pas mal de possibilités. On va dans les airs, on va sur du circuit, etc. Donc ouais, il y a quand même des choses à faire dans Sonic All-Star Racing Transformed. Donc pour les Gwen Indiana Jones, forcément, vous le savez, on retrace les différents moments forts de la saga, tout simplement. Donc c'est plutôt sympa à retrouver en jeu vidéo. En plus de ça, donc sur Xbox One, donc vous allez retrouver également deux jeux. Juste, je reviens donc pour Sonic All-Star Racing, il sera disponible à partir du 1er juin jusqu'au 15. Donc pensez vraiment à le télécharger avant que le jeu quitte le fait d'être téléchargeable gratuitement. Et pour Lego Indiana Jones 2, ça sera du 16 jusqu'au 30. Donc il faudra vraiment penser à télécharger les jeux à chaque fois qu'ils seront disponibles, simplement. Pour la Xbox One, donc du coup cette fois-ci, donc il y aura Assassin's Creed Chronicles dans sa version Russie. Tout simplement, donc ça sera du 1er jusqu'au 30 juin, ça, il n'y a pas de souci avec ça. Et donc sincèrement, ils auraient pu faire un effort et offrir au moins la trilogie complète, parce que voilà, déjà ça vole pas haut, c'était pas génial, hein. C'était sympa, ça c'est différent des jeux Assassin's Creed classiques, mais voilà, c'est pas transcendant, c'est pas, on se dit pas, ouais tiens vas-y, je vais m'acheter Assassin's Creed Russia, je vais me taper un kiff là-dessus, non. Clairement pas, mais voilà, c'est gratuit, donc là ça fait toujours plaisir, mais j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu offrir la trilogie complète. Et en fait ensuite on va retrouver, donc alors vous allez me dire, mais pourquoi ils offrent un jeu gratuit? Vous allez donc pouvoir télécharger Smite, appelez ça comme vous voulez, c'est un MOBA pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai joué pas mal de temps à ce MOBA là, à titre personnel, et il est plutôt cool. On a l'habitude de voir du League of Legends ou encore du Dota pour les plus connus en vue de dessus, et là c'est pas du tout le cas. En fait on est derrière notre personnage en vue à la troisième personne, et en fait on incarne des dieux, différents dieux, hein, de la mythologie. Il y a des personnages qui suivent l'Égypte, enfin vraiment pas mal de choses, Zeus, Thor, enfin bref, il y a tout un panel de personnages. Et là en fait ce que vous allez avoir ce mois-ci au niveau des jeux offerts, c'est pas donc juste le jeu classique, c'est la Gold Edition. La Gold Edition va vraiment permettre d'avoir tout un panel de personnages en plus, des costumes, etc., etc. Donc voilà, vous avez vraiment du contenu qui est plutôt costaud et qui va vraiment permettre de découvrir en fait ce titre qui est un free-to-play, mais avec beaucoup d'achats in-game. Donc ça c'est vraiment sympa, je trouve. En tout cas, même si voilà, ça vend pas de rêve de prime abord, ça va vraiment permettre aux gens de découvrir cette licence, ce jeu, plutôt ce titre multijoueur, qui est gratuit, mais qui va vraiment permettre de l'explorer comme il se doit avec tous les personnages disponibles dans ce MOBA. Donc voilà les copains et les copines, merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à passer sur jeucapte.com comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Très prochaine vidéo, peut-être demain.
Ce sera peut-être de la multi-invocation sur Dragon Ball Legends. J'essaie de faire des combats en ligne, mais pour l'instant, ça fait que de couper. Et voilà, il n'y a aucune connexion qui s'établit. On verra, peut-être que cette nuit, ça passera mieux. On verra. Donc voilà, normalement, prochaine vidéo, en tout cas, ça devrait être demain sur Dragon Ball Legends. Voilà, portez-vous bien. Je suis en train de rentrer du taf tranquillement, pépèrement. À très vite. Passez une bonne soirée. Bonne fin de Ramadan si vous jeûnez, etc., etc. Et puis voilà, à demain. Ciao!